Waouh! Bonjour, Milady. Lady Chèvre. Joyeux anniversaire, Amy. Jolie robe, les filles. Bien sûr, nous sommes là pour la garden party. Tu avais dit que c'était une garden party. C'est une garden party. Garden, ça veut dire jardin, on va planter un jardin. C'est pour ça que j'ai dit de mettre des gants et des chapeaux. On a mis des gants et des chapeaux. Je suis désolée, j'ai pensé que la meilleure façon de célébrer la naissance d'Amy était de faire renaître un jardin. Ce sera encore mieux, Amy. On va sauver le monde le jour de ton anniversaire. Tu as raison. Je n'ai jamais été aussi fière. Et aussi bien habillée. Génial! Alors allons-y. D'abord, on va enlever toutes ces mauvaises herbes. Puis, on va planter tous les fruits et légumes. Et puis le meilleur de tout, on va pailler. On va pailler. Yé, tout pailler. Yé, yé, tout pailler. Ça, c'est sûr. C'est quoi pailler? Je vais rester assise ici un moment. Allez les filles, on arrête un peu de creuser. Le jardinage ça creuse, alors c'est le moment des burgers végétariens. J'ai trouvé ça parfait. J'aurais jamais cru que ça me plairait autant de manger avec mes mains. Je mangerais même avec mes pieds, qui sont peut-être même plus propres que mes mains. Waouh, j'ai tellement faim que je trouve qu'ils sentent comme de vrais burgers. Attendez, ce sont de vrais burgers. Quoi? Oh, ils se sont trompés de commande. C'est pour ça qu'ils ont dit « Bonne journée, Blake ». J'ai cru que je ressemblais à un Blake, c'est pour ça que j'ai rien dit. Hors de question que j'avale ça. Oui, on a renoncé à la viande rouge. Tu as raison. Peu importe qu'il soit bien chaud et juteux et que le cheddar soit tout fondant et... Bon, c'est rien, je vais aller déposer tout ça dans la cuisine. Et nous rapporter des collations saines, d'accord? Donnez-moi ça. Tout va bien, les filles. Je vais retourner au restaurant et leur dire franchement ce que Blake pense d'eux. Wow! Ne pas se jeter sur ces burgers, c'était très dur. Mais ça valait le coup, non? Oh oui, ça valait vraiment le coup. Oui. Et je dois dire que c'est... le pire de mes anniversaires. Je suis heureuse que tu dises ça. Moi aussi. Mon sèche-cheveux me manque, c'est atroce. Et mon sèche-linge aussi. Et ma brosse à dents électrique aussi. Avec une brindille, c'est trop difficile. Une minute, les filles. Vous nous entendez? On est juste en train de ne penser qu'à nous. Tu as raison. Oui. Sydney n'aurait jamais été aussi égoïste. Cette odeur ici... Non! Non! Vous croyez?